Ouais, je touche pas le bout non plus. Plus que 6 horizontales. Ouais, donc 6, 4 fois 6, 24. Je vais me faire un plus que 6. Une. Donc tu fais comme ça. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je touche. Ah non. J'ai 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. 2 mètres. Notre terrier, enfin, igloo. Notre igloo, ouais. Parce que là, après, là, faut pas trop s'amuser avec la corniche, là. Parce que ça, ça tombe dessus, c'est... Non, c'est mort. T'es mort. Enfin, c'est lourd, quoi. C'est lourd. T'es mort, mais pas tout de suite. Pas le temps. Pour avoir un habitacle à l'intérieur, hein. Ouais. Il va falloir creuser, creuser, creuser. Et un habitacle... qui soit plus en hauteur, parce qu'on sait pas, le sol là il a l'air d'être proche. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. On creuse, ouais, puis on va remonter là, doucement. Et ouais, après à l'intérieur c'est là qu'on va faire la on creuse à partir de cette hauteur à peu près là. Ouais, aller chercher les pelles, parce que là on va creuser quelle longueur à peu près? On va creuser au moins 1,50 m d'accord de profondeur. Et petit à petit, en fait, on va faire le... La remontée, je crois. Ouais, la remontée derrière. Ouais, je vois que t'as trouvé une... T'es sur le dos, là. Ça doit être bien de crever. Ah. Alors ah. On gagne de la hauteur. Ouais, ouais. J'ai le thermos dans la voiture. Ah ouais, d'accord, mais je regardais ton truc là, dépliable. C'est pas du métal, c'est pas du métal ça? Non. Ah d'accord, c'est ça le truc. Sac biodégradable. Ah, c'est de la semoule. J'ai fait exprès de faire la fille équilibrée. Tu vois, il y a même de l'espace mort au bout là, pour avoir un invité. Ouais, là, j'ai fait une annexe. En fait, au début, j'avais commencé une étagère, je l'ai foirée alors. Pour dire la vérité. Ouais, ça c'est une bonne idée, ouais. C'est pour ça que je...